C'est le jeu. Ce jeu a l'air magnifique, hein. Avouez. Musique d'ascenseur, tout ça. C'est Halloween, on a les bonbons. Et on a les zombies. Mais est-ce que ça va? Et je mets mon casque en mode une oreille d'audi pour pouvoir entendre Nina qui est en face de moi. Et on va lancer ce jeu. Je sais pas trop ce que c'est. Coucou Pupus! J'ai l'impression qu'on va être que nous deux, hein, et des chances. Tortel vient de lancer son stream de son côté. C'est pas grave. On va voir déjà ce que ça donne. On va lancer ce jeu. Alors, lorsqu'un édifice devient neutre, il cesse d'attaquer vos unités. Ça m'aide. C'est pas du tout de quoi il parle. Ah, il semblerait qu'il y ait une apocalypse aux zombies. Et des petits commis qui ont pris le temps de taguer le panneau de ville pendant l'apocalypse aux zombies parce que c'est tout drôle. Le jeu qui met en pause dès que tu cliques à côté de la fenêtre, ça m'agace. Coucou Grand Shepard, comment ça va? Donc, ah, ça a bien l'air d'être un putain de RTS à la con. Donc. L'objectif, c'est percer les défenses du dernier bastion humain. Ah d'accord, fallait que j'appuie là. J'ai mis 6 marques sur le tapis rouge. D'accord. Coucou Koala! Tu vas rester sur le chat. Ok, bah c'est sympa. Donc là, je suis sur un jeu qui m'a l'air, ma foi, fort. Je suis contente d'avoir prévu un jeu du. Au cas où c'est de la grosse merde. Donc. D'accord. D'accord. Voilà, on va se goinfrer. De toute façon, au pire, on passera avec un autre zombie. Ça a l'air d'être un putain de RTS à la con. J'aime pas les RTS. Je suis nul en RTS. D'accord, oui, c'est bien. J'ai pas envie de lire l'encyclopédie maintenant, en fait. Alors c'est un RTS où tu ne peux pas déplacer ton curseur à la souris.
encore. Je sens que ça va être pratique. Coucou Mister Seiko. Alerte test, tu peux pas déplacer la map avec ta souris, j'ai jamais vu ça. Ils ont l'air éveillés ces zombies. En même temps, c'est des zombies, vous allez me dire. Alors, vous inquiétez pas, si c'est vraiment de la merde, je passerai sur un autre jeu. Alors, capture. D'accord, qu'est-ce que je dois faire? Joli, Nina, joli, joli. A priori, c'est surtout que je suis pas doué. Alors... Ça, c'est bon. C'est bien ça. Oui. Alors, attends, il semblerait que j'ai d'autres trucs à faire ici. D'accord, donc on peut capturer des maisons en utilisant les zombies pour se lancer des poubelles dessus. Pourquoi pas? Ça m'a l'air très particulier ce jeu, hein. Oui, quelqu'un est Thérèse. Joli, joli. Alors pour ce soir, je me suis fait un maquillage spécial Halloween. Bon, ça se voit pas trop à la caméra par rapport à l'habitude parce que je suis pas quelqu'un de... Alors, déplacer le groupe 2. Je dois le déplacer où? Alors de base je suis pas fan des RTS. Et honnêtement, le tuto de celui-là commence mal. Bon, on va essayer de lui laisser le bénéfice du doute. Le bénéfice du prout. Ah non, je suis pas très... C'est des jeux trop intellectuels pour moi, en fait. Oh. Capturer la quincaillerie. Ah, vas-y, zombie. Coucou Yoshi Groot, bah écoute, ça va, ça va. Je teste un jeu, je me suis dit, je vais prendre un jeu de zombies au pif qui a l'air un peu sympa. Mais ça a l'air d'être un RTS. Et moi, les RTS, c'est franchement pas ma sauce. C'est pas ma cam. Y a ça en multi dans les 4 Dead 1, plus de le jouer à un zombie. Ouais. Bah au pire, 6 joies et qu'au bout d'un moment, ça reste relou. D'accord, c'est un RTS où en plus, tu dois mâcher le bouton 2 pour des trucs comme ça.
Ok. On en est qu'au tuto. Attends, il y a un truc bleu, il y a un truc bleu, il y a un objectif bleu ici. Ça m'a l'air particulier, hein. Non, ça va, je suce. Je veux pas dire, mais les flics ont plus des tronches de zombies que... Alors... D'accord, il y a quelques unités d'élite et après il y a des zombies lambda qui se promènent. Ouais aussi. Pour ça, je préfère mâcher les bonbons, perso. Oh mon dieu, des zombies bleus. Des zombies samouraïs. Si vous avez des questions, enfin si vous avez envie de papoter, je pense que je vais finir par mettre le song request. Hein. Ouais, et j'ai du mal à capturer mon navigateur en fait. D'accord. Non, bah je vais pas recommencer le chapitre. Non, on peut streamer pas mal de trucs. L'intérêt, c'est juste d'avoir l'énergie, la motivation et l'envie de faire partager un truc. Là, je découvre un jeu. Et je suis pas convaincu que ce jeu soit vraiment bon. Alors, il semblerait que ce type ait créé des zombies et qu'il se soit retourné contre lui. Bon, j'espère que ça va être un peu moins rébarbatif. À la longue. Il faut que je recrute 10 zombies. On va essayer. J'aime pas
On va éviter de passer par là, j'ai l'impression que l'avantage du nombre n'est pas trop de mon côté. Là, ça me fait une unité de 3 zombies en fait. Ça, c'est pire que décrypter les plans pour un meuble Ikea. Ah putain, c'est si long que ça de télécharger FF14 sur la Play. Je sais pas à combien de gigas on en est dessus, mais bon. À mon avis, pas mal. Oh mon dieu, maintenant j'ai deux escouades de zombies. Et si tu veux des sucettes, pupus? Ça va. Donc une escouade c'est 5 péons. Donc je dois encore en trouver 10. Je dois encore en trouver 3. Je suis en train de déchiqueter le bâton de la sucette sans attaquer la sucette. Voilà. C'est réglé. Ah bah oui, 3 tonnes de mise à jour à 2 gigas la grosse mise à jour, ouais ça peut être long. En effet. Oh, je vois défaire des coutures. Donc quel est cet objet étrange? Il y a un truc qui apparaît après dans mon écran, d'accord. Et oui, j'ai un truc à faire ici, ah bah c'est les 3 qui me manquent. Libérer les zombies. Je pense qu'on va pas rester toute la soirée sur ce jeu. Sauf si le jeu vous plaît vachement. Donc voilà. On voit qu'en même temps les zombies sont tellement lents que... Je sais quand j'ai fait le... Coucou Tisha, quand j'ai fait le... J'y repense, mais quand j'ai fait le... Quand j'ai fait le... La peluche pour Sinaël, j'ai dû défaire une couture à un moment. On échange un peu nos bonbons, Pupus?
On va passer par au-dessus de l'écran. Câlin aux viewers au passage. Oh, de la réglisse. Ouais, il y a de la réglisse, mais là, il y a du kawamel. Oh putain non. Ouais donc je vais bien le laisser. Oh putain, eh non mais c'est... Non mais s'il te plaît, va mourir. Ouais, faut que j'aille chercher ça. J'ai perdu une escouade de zombies. D'accord, donc au bout d'un moment, il y a des zombies qui repop. Ça semble être une bonne nouvelle. D'accord, faut que j'aille par là-bas. Moi, je vais prendre un chocobo. Voilà, c'est le stream de la bonne santé, hein. A priori, ça va être mon aire de contrôle. Ah bah attends, je vais laisser ceux-là là, puis je vais aller explorer avec les zombies balèzes. Avec ceux qui sont en meilleure santé. Cinématique à la con tout le temps. Donc j'ai récupéré ça. Oh les gars, on se barre. Bande de débiles. On se barre. Oh putain, oh j'ai horreur de ça. Donc là il faut que je fasse que mes... faut que je laisse se battre tous mes zombies. On va les laisser là pour qu'ils se soignent. Alors il me reste une pièce à trouver. Et oui, il semblerait que je dois faire le tour par là-bas et m'aventurer en territoire humain. Ah, c'est une bonne idée, on aurait dû en prendre de couleurs. Des pleins de couleurs. Coucou Yoshi Croûte. Bah, y a du lait. Y a du lait. Et vegan, ça veut dire ne pas manger de lait non plus. En fait, il faudrait jamais être vegan. Là, je vais prendre un dragibus noir. Il donne des super pouvoirs. On va le taper maintenant. Mais c'est connu, les dragibus noirs, c'est comme les M&M's verts, ils donnent des super pouvoirs.
Bah, vegan, ça veut dire ne rien manger qui est à base de produits animaux. C'est aussi bête que ça. Coucou Batzorak. Non mais en même temps c'est normal hein, je perds la boule si t'étais pas au courant. Je suis vieille. D'accord, donc c'était pas une pièce à rapporter. Disons que Tisha te parlera mieux des raisons qui l'ont poussé à être vegan que moi. Oui, parce que de toute façon, si on prend le lait... D'accord, donc ça c'est un cul-de-sac. Parce qu'en plus d'être un putain de RTS, c'est un RTS d'exploration. Autoriser ce genre de truc de torture ? Ok, attends. Mais, alors, j'aimerais bien pouvoir explorer. Ok, on va y aller avec, avec les bouges directionnelles parce que là, c'est tellement la merde. C'est tellement la merde. Là, je peux peut-être aller par là, en fait. Je peux peut-être traverser. Ouais, il y a plein d'alternatives au lait, bon, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, qui coûtent quand même relativement cher, hein, pour la plupart. D'accord, donc je ne peux pas aller là. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, je me fais tirer dessus, je me fais allumer, mais je ne peux rien faire, d'accord. Non, le Nina, je vais le prendre directement à la source. Je ne laisserai pas aller jusqu'à la machine à café, pupus. Tu le sais. Ah, peut-être par là. Ce jeu est quand même relativement pas transcendant. Ça dépend, le DK peut y avoir des trucs pas cool, mais pas cool pour vegan, des trucs pas cool en général. En fait, le DK vaut mieux tout le temps prendre du DK bio. Simplement parce qu'autrement, il peut être décaféiné avec des solvants. Alors que le DK bio est décaféiné à l'eau. D'accord, donc on va faire confiance aux zombies, ils savent mieux se diriger, ils comprennent mieux comment c'est que moi. On est d'accord, c'est pas... Moi je propose de se donner... allez. Encore 20 minutes.
de se donner 20 minutes ou un game over pour se dire que ouais, finalement, ce jeu, il est pas si naze que ça, et de... Voilà. Écoute, c'est dur. Moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup embêté avec la peluche que j'ai faite pour Oriane, enfin pour Sinel, c'est que ben voilà quoi, j'ai dû découdre à un moment, en plus le tissu était assez fragile et tout. C'était dur. Oh putain, en plus je me fais attaquer dans tous les coins. C'est... Non seulement c'est pas très palpitant, mais en plus c'est très relou. Bah écoutez, je vais faire un truc qui me semble... pas débile. Magnifique, j'adore. J'adore, 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 j'approuve, je kiffe. Voilà. Le patron, en fait, si tu veux, c'est le truc en papier que tu mets sur le tissu pour savoir ce que tu dois découper. Donc en fait, c'est un truc... en fait, typiquement, si tu veux couper un carré de tissu, tu vas mettre une forme carrée sur ton tissu pour couper en carré. Et vu que pour coudre des fringues faut des formes bizarres, bah c'est plus compliqué à voir à l'œil qu'un carré quoi. Alors j'ai lancé un poll si vous voulez continuer le jeu ou si vous préférez que je le change. Vous pouvez choisir. Voilà, si tu veux, c'est la partie mode d'emploi du meuble IKEA. Joli t-shirt. Pourquoi s'il te plaît? Merci. Ah merde, pas de pub à la télé. Ah oui, c'est vrai, c'est pas la télé. Coca-Cola. Voilà. Ah, oh, c'est pas un... c'est pas une bouteille avec marqué princesse, c'est nul. Pour avoir une pub, un truc avec marqué... Le point exclamation. Je verse mon coca parce que j'ai soif. Parce que bouffer des bonbons en streamant, c'est bien, mais ça donne soif.
Donc, j'en suis à 3 votes. C'est bien parce que tu sais que ton vote ne changera rien, c'est ça? Bon, on va, par principe, laisser encore un peu de temps au jeu, des fois qu'il devienne palpitant. Mais non, en fait, non. Non, franchement. Alors, désolé pour ce jeu. Plus, il me faudrait le stylo, s'il te plaît. Bon, au moins, on aura essayé. Donc, Zombie Tycoon 2, c'est un RTS. Un peu mou du genou, avec un tuto super long. Voilà. Je note en fait le temps pour pouvoir séparer les highlights. Donc on va quitter le jeu. Et on va préparer Left 4 Dead.